Comment améliorer son mental? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage égalisé que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et également, avant d'aller plus loin, pensez à mettre un pouce, à vous abonner pour être sûr de recevoir toutes les vidéos. Et regardez dans les commentaires, vous pouvez aussi accéder à un entretien découverte avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, comment améliorer son mental? Parfois, on peut se dire « Ah, c'est le mental qui a péché. Ah, j'aurais pu faire les choses autrement. Ah, je n'ai pas assez de mental. » Alors comment est-ce qu'on fait pour améliorer son mental? Le premier point à mettre en place, ça c'est sa toute première vidéo du programme de l'Académie de l'Haute Performance, c'est de surveiller son discours interne. D'ailleurs, c'est la deuxième vidéo en fait. C'est la deuxième vidéo du programme de l'Académie de l'Haute Performance, c'est surveiller son discours interne. C'est-à-dire que chaque être humain émet des pensées en permanence. On émet 60 000 pensées par jour. Et en fait, ces pensées-là, c'est important d'en avoir conscience. Et est-ce que ces pensées sont utiles pour moi ou inutile pour moi? Plutôt que penser positif ou penser négatif, je préfère le scénario penser utile ou inutile. Et juste de prendre conscience de, tiens, est-ce que cette pensée est utile pour moi? Ah non, est-ce que je peux changer la pensée? Ah oui, je peux changer la pensée. Juste en faisant ça, en fait, on va créer des nouveaux chemins neuronaux dans le cerveau et donc améliorer notre mental, puisque toute pensée inutile, si on la garde, c'est comme dans Le Petit Prince, c'est comme les petits baobabs. En fait, si on les garde, à la fin, ça devient très gros et c'est difficile à arracher. Alors que si on coupe l'herbe sous le pied d'une petite pensée inutile directement et on accède à des pensées plutôt utiles, alors là, vous allez voir que votre mental va naturellement s'améliorer. Ensuite, c'est faire attention aux émotions. C'est-à-dire que les pensées et les émotions sont étroitement liées. Donc, la pensée est une perception et cette perception-là va créer une décharge chimique qui est une émotion. Et donc, c'est faire attention les émotions. Est-ce que vous avez plutôt des émotions de colère, de frustration, de culpabilité, d'impuissance au quotidien ou plutôt des émotions de joie, de bien-être, d'enthousiasme? Et donc là, c'est... si vous faites partie de ceux qui sont plus dans la frustration, la colère ou la culpabilité, l'impuissance, c'est à vous de prendre conscience tous les jours, de vous dire « Ok, que ferait l'être humain qui performe? Que ferait l'être humain heureux? Que ferait quelqu'un qui a un excellent mental ?» Et de faire comme si, c'est-à-dire de ressentir maintenant dans le moment présent, ça vous pouvez le faire, ça demande juste un petit peu d'effort, de ressentir maintenant dans le moment présent « Que ferait celui qui a un excellent mental ?» Ce qui nous amène au troisième point, c'est de développer l'état d'être. On est des êtres humains, pas des faire humains, pas des avoir humains, mais c'est parce qu'on est à l'intérieur qu'on va faire certaines choses et qu'on aura le résultat. Et non l'inverse, c'est pas parce qu'on va avoir le résultat qu'on va être quelqu'un. Mais c'est tout part de l'invisible au visible. Quand on comprend ça, en fait, on comprend beaucoup de choses puisqu'on va respecter un ordre naturel, être, faire, avoir. Être, c'est quoi? C'est avoir l'état d'être. Quel est l'état d'être à avoir? Quelle est l'identité à avoir? Et en fonction de ça, je vais me positionner dans l'état d'être au quotidien, au maximum. Et quand mes pensées partent un peu dans tous les sens, dans des choses qui ne sont pas utiles pour moi, je prends mon temps, je prends une bonne respiration et que ferait le moi du futur? Et bam, et quelle pensée il aurait? Et quelle émotion il aurait? Et essayer de les avoir au quotidien. Et enfin, le dernier point, le point bonus, ça va être justement, parce que plein de gens peuvent dire, mais attends, j'ai déjà fait de la visualisation, j'ai déjà fait ces incantations, j'ai déjà fait plein de choses, j'ai lu sur la loi d'attraction, etc. Il n'y a pas grand-chose qui change, même si ça a amélioré les choses, il n'y a pas de choses qui changent. En effet, pour que tout ça ensuite puisse s'imbriquer, moi, c'est des choses ça que je connaissais depuis des années avec l'hypnose et tout que j'avais fait. Et finalement, des fois, ça peut rester au point de vue mental à cause des parasites qu'on nous a mis dans notre subconscient depuis notre éducation. Et là, c'est clair que c'est la dépolarisation qui va venir tout exploser pour que derrière, en fait, les trois premiers points qu'on a mis viennent tranquillement dans le corps plutôt que rester dans la tête et on vienne vraiment les incarner, incarnis, dans la chair, on vienne vraiment les mettre dans le corps. Donc c'est vraiment 1, vos pensées, 2, vos émotions, 3, l'état d'être qui est la somme quantitative et qualitative de vos pensées et de vos émotions, et 4, pour que tout ça descende dans le corps, enlever les parasites les parasites logés dans le subconscient qui vous empêchent d'accéder à cet état d'être. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à la commenter, pensez à la partager. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite,
prenez un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous où on verra le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous voulez aller, et ce qui vous empêche pour passer du point A au point B, et surtout comment aller au point B le plus rapidement possible. Et aussi, vous pouvez simplement commencer par le livre « L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé » que vous retrouverez dans les commentaires. Sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao !